L'ambassadeur d'herbe, c'est une des plus belles initiatives que l'agence ait prises. Ça fait maintenant 5 ans, c'est la 5e édition. Et c'est l'occasion de réunir des élèves qui se rencontrent pour débattre. Donc cette année, le thème qu'on défend, c'est l'olympisme et les valeurs de l'olympisme, étant donné que Paris est candidate pour les Jeux Olympiques 2024. Et nous cherchons à consolider cette candidature. Et nous essayons de porter un regard de la jeunesse du monde entier sur les valeurs de l'olympisme. On a organisé les répartitions comme les commissions du Comité international olympique. Donc on a une commission santé, une commission éthique, une commission relations internationales, une commission différence et une commission culture et éducation. Chaque commission est amenée dans une salle avec un inspecteur qui nous aide à préparer nos exposés. L'esprit de compétition est compatible avec les valeurs de l'olympisme. Quelles sont ces valeurs de l'olympisme? Vous les connaissez par cœur? Oui. Je voulais vous demander à propos du thème. Oui. La santé, vous voulez dire dans la pratique du sport? Nos parents nous ont appris à respecter les autres, à partager. C'est-à-dire que pour toi, les valeurs de l'olympisme, c'est pas que réservé au sport, mais on peut, donc ça veut dire qu'on peut aussi les alliés à l'éducation. Et ben effectivement, c'est de leur transmettre les valeurs du sport et de l'olympisme et surtout de pointer le doigt sur le fait que ce ne sont pas des valeurs qui sont seulement cloisonnées au sport, ce sont des valeurs qui sont universelles et qui sont au-delà du monde sportif. Et puis les techniciens, ils peuvent être debout à côté, d'accord, pour passer le micro. Et Clémence, toi, tu vérifies en même temps si le son est correct. Dans la web radio, on vient, on traite l'information, enfin, on part, on la cherche, ensuite on la traite, ensuite on la diffuse. Donc on a des gens qui montent le son, des gens qui montent la vidéo. Par exemple, moi, je fais des interviews, il y a aussi des rédacteurs. Bonjour à tous, c'est Noémie Lette. Tu vois, ce qu'il faut, c'est analyser le spectre. Ambassadeur en herbe, blablabla, avec une chose la question. Pour ambassadeur en herbe, c'est qui? Ouah! Ouah! Vous avez été sélectionné. La sélection, comme la compétition, c'est pas des gros mots. C'est des mots qu'on peut employer pour justement, à un moment, trouver de la motivation à se dépasser soi-même, faire en sorte qu'on puisse être chacun meilleur pour que le monde qui nous entoure le soit lui aussi. Il y a le fait de savoir utiliser le sport et le moment olympique pour promouvoir les valeurs du sport, les valeurs de l'olympisme, mais aussi le sport dans l'éducation, la culture, le développement durable, tous ces éléments qui figurent dans la candidature, dans le dossier de candidature de Paris. Hola, mi nombre es Loleitza, tengo 15 años y estudio en el liceo francés Julio Verne de Guatemala. Toi, Hoc de Chu, Hoc de Fab de Hanoi au Vietnam. Walid Nour fi Medina Tunis, wa uqim al an fi Medina Dubai منذ 5 سنوات. Nazali Mona ye Colo Cananape Mexique. Il y a un titre de théâtre en place, Francisco Medici et Alexandre Thomas Mansfield. Titius, altius, fortius, plus vite, plus haut, plus fort. Puis vient le respect, c'est-à-dire la volonté de se respecter. Respecter les autres et les règles, ce respect étant symbolisé par les anneaux, réunissant toutes les nations et les 5 continents, sans discrimination. Ça apprend tout en fait, ça apprend à rassembler ses idées, à savoir comment argumenter. Ça apprend aussi à écouter l'autre, à respecter ce que l'autre dit, à le contredire. Et puis, bien sûr, c'est aussi avant tout pour ces enfants une occasion de se rencontrer. Là, nous sommes à Paris, il y a les 50 finalistes qui viennent donc de tous les continents. Mais avant ça, il y a en tout 10 000 élèves, donc 10 000 sur les 340 000 élèves du réseau, qui dans chaque lycée, ensuite dans chaque pays, dans chaque région, ont participé. C'est l'un des traits d'union, c'est l'une des activités qui permet aux élèves de réaliser qu'ils ne sont pas seuls dans un lycée français, dans telle ou telle ville, dans tel ou tel pays, mais qu'ils font partie effectivement d'une grande famille. Ambassadeur en herbe, c'est bien parce que c'est des rencontres et ça nous permet de nous ouvrir à d'autres cultures. C'est beau ça. Et de rencontrer des gens et de me rassembler avec le monde. Donc,
matin, on est dans la salle de rédaction. Les techniciens sont en train de monter toutes les interviews, tous les sons qu'on a pu avoir ces derniers jours. Moi, en tant qu'animatrice, j'ai aussi des transitions, l'édito à préparer. Oui, toi, tu veux gagner du temps sur ton émission de radio. Donc, tu n'es pas obligé de laisser les questions. C'était juste pour vous dire sur les statistiques qu'il y a sur le streaming, 400. En plus de tous ces débats, on a eu du beau monde. Des athlètes de haut niveau, Gévry Zeman, Mickaël Jérémias et Maria Bédilouf. On m'a invité à venir assister d'abord aux échanges qu'ont préparé les ambassadeurs en herbe sur la question du sport et de la santé. Et je dois vous dire que j'ai été bluffé. Et donc nous, effectivement, on va être autour de beaucoup de sensibilisation dans les écoles qu'on a déjà, on a déjà commencé. On a prévu de toucher un million d'élèves pour justement les sensibiliser à la pratique sportive, à la notion de bien-être, la notion de partage. Efface les différences, au contraire, est-ce que vous pensez que cela peut accentuer des rivalités? Donc comment faire pour sensibiliser les gens au sport? Donc pour moi, la seule compétition n'amène pas la rivalité, parce que la rivalité est quelque chose de négatif, alors que l'esprit de compétition nous fait avancer. Pendant que les jouteurs et les modérateurs donc, font leurs débats, posent leurs questions, je prends des notes et ensuite à la fin de tout ça, je vais essayer de résumer en 5 minutes et de donner les points forts et les moments les plus importants de ce débat. Sortez votre morceau de poulet et voyez-vous, ce poisson cracheur de feu va en fait le brûler. Oh, voilà, et ça fait un barbecue. Oh, barbecue sous l'eau, mais quelle brillante idée. Il n'y a qu'au Japon qu'on puisse avoir des idées aussi sophistiquées. Aujourd'hui, c'était de l'initiation à l'improvisation, dans le but de travailler sur la co-construction, faire avec l'autre, rebondir avec l'autre, l'écoute active, l'écoute non-verbale, l'écoute où on va vraiment pouvoir rebondir sur ce que l'autre vient d'amener à l'instant, donc d'être présent dans le ici et maintenant. Pourtant, tu le savais, et t'as préféré... L'ignorer. Oui, mais mon chéri, c'est parce que je... Je t'aime trop. On était les médiateurs et on a préparé une synthèse globale de tous les débats qui viennent se passer. Donc nos préconisations au CIE seraient que d'abord les médias doivent davantage montrer que les Jeux Olympiques sont des Jeux, investir pour augmenter la qualité et quantité des infrastructures sportives dans les pays en voie de développement pour améliorer l'éducation sportive. Nous vous souhaitons à tous de très beaux Jeux pour célébrer la fraternité et la paix des peuples du monde. Thank you.